Alors, depuis que j'ai appris à lire et à écrire, je lis et j'écris des poèmes. Et souvent, je me heurte à des gens qui me disent, incrédules et parfois même méfiants, bon, qu'est-ce qu'un poème dans la marche du monde? Alors que moi, je suis convaincue que la poésie aide à vivre et celui qui l'écrit et ceux qui la lisent. J'en prends comme témoin tant de poètes au plus noir des camps d'extermination. Les images et les rythmes de la poésie continuent à enchanter, même si beaucoup de personnes prétendent ne plus rien comprendre à la poésie moderne. Peut-être simplement parce que on en parle avec des mots trop compliqués et qu'il suffirait de très peu de choses pour rendre la poésie à chacun et retrouver ce que Baudelaire appelle si justement la douce langue natale. Alors c'est peut-être intéressant de se demander ce qui empêche de voir la poésie telle qu'elle est, de l'aimer telle qu'elle se présente à nous. Au fond, quels sont les malentendus autour de la poésie? La première chose, c'est la confusion entre poésie et mièvrerie. Pour certaines personnes, la poésie, c'est les fleurs, les petits oiseaux, la guimauve. Or, la poésie n'est pas du tout cela. La poésie, elle écrit, elle est, comment, opposition à tout ce qui abîme l'homme. Et la poésie, c'est pas du tout l'usure, c'est pas les mots encombrés de poussière. Au contraire, je crois, comme Max Jacob, que la poésie, c'est quand les mots se rencontrent pour la première fois. Donc, pas question d'accumuler les lieux communs. Et une autre forme de malentendu, c'est la rime. On croit que la poésie doit obligatoirement être rimée. Mais non, il y a tellement d'autres formes poétiques. Et enfin, c'est le reproche fréquent, c'est celui du narcissisme. Comme si le poète passait son temps à regarder son nombril. Je crois, avec André Chédid, je cite souvent les autres poètes parce que je les aime comme des amis et comme je l'ai dit, ils m'aident à vivre. André Chédid dit: le je de la poésie est à tous, le moi de la poésie est à plusieurs, le tu de la poésie est au pluriel. Alors, si on a vu ce que la poésie n'est pas, essayons d'approcher, c'est pas si simple, ce qu'elle est peut-être. J'aime beaucoup ce que dit le poète Pierre Reverdy. Il a trouvé cette belle équation: la poésie est à la vie ce qu'est le feu au bois. Autrement dit, elle lui communique chaleur, lumière, beauté. C'est un repère dans les ténèbres, une invitation: venez, venez autour du feu. Émerveillons-nous de cette flamme qui va devenir braise. Au fond, les mots sont comme des silex qu'on frotte les uns comme les autres, contre les autres, pour faire jaillir le feu poétique. Je crois vraiment que la poésie, elle est vitale et qu'elle est universelle. Dans chaque civilisation, elle est d'abord orale, bien avant d'être écrite. Et je trouve qu'aujourd'hui, à travers les formes contemporaines de poésie, on renoue avec ce qu'était la poésie française au Moyen Âge, en alliant les mots et la musique. Il n'y a pas que les formes fixes, hein, celles qu'on connaît, les ballades, les rondeaux. Et d'ailleurs, la vision poétique est beaucoup plus large que le poème. Composer un bouquet, composer un repas de fête, et même le portrait de certaines personnes, on va dire, tiens, cette femme, c'est un vrai poème. Donc, la notion même de poésie, c'est cet écart par rapport à ce qui est ordinaire, c'est ce qui secoue la poussière du quotidien. J'aime beaucoup ce que dit Georges-Emmanuel Clancier. Il racontait que lorsqu'il rentrait d'une journée routinière où il avait l'impression de perdre sa vie en essayant de la gagner, il lui suffisait de prendre un poème, de le lire pour ressentir une bouffée d'air frais. Et surtout, la poésie est une expérience au sens où Rilke nous l'a rappelé. C'est, il faut beaucoup de temps pour écrire un poème. C'est comme une femme en travail qui va mettre au monde un petit. Et ça prend du temps, ça prend de la souffrance, ça prend beaucoup d'amour, d'un bout à l'autre de la vie. La poésie est vraiment un viatique. Elle nous accompagne tout au long de l'existence. Alors, vous allez me dire quels sont les rapports entre poésie et mystique.
Elles ont en commun cet étonnement face au mystère de l'existence. Qu'est-ce que nous connaissons de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous connaissons des autres? Qu'est-ce que nous connaissons de cette vie dans laquelle nous sommes entrés par un geste d'amour? Et donc, la poésie comme la mystique est bouleversée par ce mystère de l'existence et par cette quête d'une transcendance. Je crois que il ne faut pas être chrétien pour ressentir cette transcendance. Quelqu'un comme Albert Camus, par exemple, a très souvent attiré notre attention sur ce besoin d'absolu, d'infini, qui est au fond de chacun d'entre nous. Donc entre poésie et mystique, beaucoup de points communs. La différence, c'est que, idéalement, la mystique se passe des mots. Elle va à Dieu, l'âme rejoint Dieu sans la passerelle des mots, alors que le poète utilise les mots. J'aime beaucoup certains poètes mystiques d'aujourd'hui, comme certains moines de l'abbaye de Clairlande en Belgique, ou de Thésée, ou alors de l'abbaye de Landévennec, comme Gilles Baudry. Ce sont des personnes qui nous aident vraiment à rejoindre Dieu à travers leurs mots. Je pense à un des derniers poèmes de Gilles Baudry que j'ai lu, où il dit « La poésie, un poème, c'est donner aux mots une présence, l'opulence du peu, accorder le souffle juste à la vie. » Alors, je vous parle de poésie, mais je crois que c'est important de pouvoir dire un poème que j'ai écrit pour un matin de Pâques. « Mes enfants sont dans les arbres. J'ai ouvert la cage. Le soleil entre par la porte qui ouvre les bras. La poussière danse dans les rayons obliques de ce matin léger. Le Seigneur s'est introduit dans ma maison et il s'est assis. Comme il fait bon chez toi. Je travaillais, je ne l'avais pas vu entrer. Alors j'ai posé mon ouvrage et je me suis assise près de lui et j'ai regardé avec lui l'éclat de ce jour. »